Today we have another person from Honky Tonk, which is Sarah Trubillard. She is a production manager and executive producer at Honky Tonk Films. She joined Honky Tonk Films in 2009, helping to produce the first web documentaries for France Television, Canal Plus, and Arte. She experimented with new forms of media and entertainment stories, both on the web and on a stage. So today with Sarah, tomorrow with Arnaud. Let's give a hand. Hello. So at Honky Tonk, we really think that interactive, innovative, and creative program on the web could deal with social or ecological issues, and to involve the audience and also to capture all their attention. So it can be subject about work accident, like End of the Call, our first web documentary, but also obesity, also Amazonian pollution, also old age, financial crisis. All this issue depends on human behavior, and it's another way to sensibilize the people, the audience, to a subject and really change or act about it. So for us, social issues are always at the center of our production. Our most important production was the one I will present you today, now. And it's not only about social issues, it's also about a social taboo. And this taboo is in France, but not only. I have a quick question for you. How many of you heard about people who self-immolate in Tibet or in Tunisia? Can you hold your hand? So, yeah, most part of you. And have you heard about the same act that happens in France? No. Some of you? Yeah? Okay. And that's why we make this project, is to discover a main issue in France that nobody knows and that media and politics hide as they can. Lettre ouverte à mon employeur et à son actionnaire principal. Monsieur le directeur, je souhaite réagir à propos de la vague de suicides auxquelles France Télécom Orange est confrontée actuellement. Quelle est la population touchée par ces suicides? Des agents fonctionnaires de plus de 50 ans. Lettre ouverte à mon employeur et à son actionnaire principal. Monsieur le directeur, je souhaite réagir à propos de la vague de suicides auxquelles France Télécom Orange est confrontée actuellement. Quelle est la population touchée par ces suicides? Des agents fonctionnaires de plus de 50 ans, avec mobilité imposée. Je suis dans ce segment-là. Je suis en trop. Je me présente rapidement. Activité dans un cadre de service positif, prise de responsabilité, harcèlement subi de mon N+1, scotché à niveau 3-3, mise à la poubelle. Mon constat, il existe des personnes en situation à fort risque. Elle n'attend plus aucun soutien. Elle n'attend plus rien. Mes craintes. Cette situation est endémique du fait que rien n'est fait pour y faire face. Le suicide reste la solution. C'est triste. À qui profite ce crime? Rémi Louvrado, préventeur des directions des ressources humaines. Nouveau suicide chez France Télécom Orange. Un employé a mis fin à ses jours ce matin en s'immolant par le feu. Ça s'est passé sur le parking d'un site du groupe à Mérignac, juste à côté de Bordeaux. Un drame effroyable. Un chômeur en fin de droit s'est immolé tout à l'heure devant l'agence Pôle emploi de Nantes. Après l'immolation d'un trentenaire hier à Caluire, ce matin,
vers 9h30 à Saint-Priest. Un homme d'une soixantaine d'années s'est aspergé d'essence avant de mettre le feu. On l'a appris il y a quelques instants, un homme s'est immolé par le feu ce matin à la caisse d'allocation familiale de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Le professeur a tenté de s'immoler par le feu ce matin dans la cour de lycée Jean Blin. La femme d'une quarantaine d'années, prof de maths, s'est placée au centre de la cour à la criée avant de s'asperger de carburant et d'y mettre le feu. Il y a un an, jour pour jour, un homme lançait ici même un appel silencieux. Celui d'un être humain totalement et définitivement consumé par son travail. Oui, le travail peut tuer, mais non pas parce que l'on est trop faible ou trop fragile. C'est le travail lui-même qui n'a plus de sens, qui devient néfaste, jusqu'à contraindre des êtres humains à ne plus avoir d'autre issue que la mort. Les suicides s'additionnent déjà, comme de simples statistiques. Ce qui nous guette, c'est la banalisation. Si nous faisons une minute de silence pour chaque victime de la souffrance au travail, elles sont si nombreuses que nous ne nous tairons à jamais. Pas quelque chose qui est arrivé par hasard. Toutes les solutions qui sont offertes à lui se sont avérées des impasses. Et mettre fin à ses jours, déjà sur un endroit, dans un endroit où on a travaillé et qui appartient à l'entreprise pour laquelle on travaille, c'est quand même bien délimiter la raison pour laquelle on fait cet acte et en plus choisir ce mode de suicide qui est l'immolation. Par le feu, c'est aussi indiquer qu'on se situe dans une ligne de contestation forte. Pourquoi tant de suicides dans le groupe? À ses yeux, une des causes, c'est le bouleversement vécu par l'entreprise elle-même. C'est un changement de structure considérable que nous avons fait en très peu d'années. En plus de ça, les technologies changent d'une façon assez fantastique. Et vous savez qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas, mais qui ont été retracées après quand on a retrouvé ses courriers. Moi, je ne comprends pas. Quand j'ai pris connaissance des courriers, j'ai été atterrée que personne n'ait réagi. J'ai pas compris. C'est... Pour moi, c'était une non-assistance à personne en danger. Ce document est un compte-rendu d'une réunion de cadres de France Télécom d'octobre 2006. L'ex-PDG Didier Lombard évoque clairement l'objectif de supprimer 22 000 emplois. En 2007, je ferai les départs d'une façon ou d'une autre, par la fenêtre ou par la porte. La raison pour laquelle aujourd'hui je communique, et je vais le faire dans les journées encore plus, c'est qu'il faut marquer un point d'arrêt à cette mode du suicide qui est évidemment choque tout le monde. On va se donner un mois et demi pour regarder les cas de mobilité qui sont en cours. Évidemment, les gens sont d'accord, on ne parle pas, ils bougent. Regardez les cas un peu litigieux et regardez si on a correctement prévu les dispositifs d'accompagnement. En novembre, on recommence, on repart, mais on va se donner un mois et demi pour faire cette espèce de travail d'audit. Est-ce qu'on a bien pensé à tous les aspects? Si on n'a pas tout dans la raquette. Pas tout dans la raquette. Vous m'avez parlé d'un mail qu'il avait reçu, je ne sais pas de qui, c'était la direction, est-ce que c'était, je ne peux pas dire de qui, mais on lui a fait comprendre que là c'était son intérêt de laisser tomber. Donc
Ça s'est passé vraiment quelques jours avant André Simon. Donc, que moi, forcément, j'ai fait un lien avec, avec ce que j'appelle le mur qu'il n'a pas pu franchir, c'est celui-ci. Cette injustice. On a parlé de son acte, et son acte a du coup mis en lumière d'une manière un petit peu plus forte ce qui se passait au sein de France Télécom, ce qui se passait au sein du monde du travail. Et ça, c'était en fait c'était le but recherché. Dans un sens, il a réussi. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il est laid. Et c'est sa vie. Je pense aujourd'hui que lorsqu'on parle d'immolation, il faut en parler en expliquant ce que c'est vraiment la douleur. La difficulté, la défiguration, la mort, et faire la pédagogie. Je crois que ces personnes, à un moment donné, c'est pas propre à nous. Voilà, si à un moment donné, ce passage à l'acte, il est inévitable parce qu'ils sont dans une impasse. Ils se disent, nous verrons bien ce que ça peut. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté de mort derrière? C'est moi là-dessus. Est-ce qu'il y a une volonté de signalement? Le feu, c'est se montrer. Hein. C'est vraiment c'est là, mettre les lumières sur soi-même. C'est tellement douloureux. Sorry, I show you a short extract of this project and then I will explain the condition of production. Devant l'autorité que vous contestez, que vous voulez bouger, c'est d'habitude réservé à des gens qui sont confrontés à des tyrannies. C'est ce qui s'est dit. Ok, I will stop here. I invite you to see the project online. C'est ce que la Tunisie banalise, c'est ce qui s'est passé avec. Ok. Let's go to the production issues to let explain this project. So it's 2 years of investigation by Samuel Bollendorf and Olivia Colo to discover the stories behind this unknown terrible statistic. Since 2011 in France, one person self-immolates in public every 2 weeks. So the author didn't know that they would address this subject when they start a documentary about burned people and their recovery from severe injuries. So why self-immolation considered as an extreme act of protestation in countries like Tibet or Tunisia, while in France it's considered to be only driven by personal issues? Samuel and Olivia didn't want to work on the personal and private aspect of the suicide, but they try to reveal the protesting side of their public message sent to the society. The company car park, the schoolyard, the tax office, the family welfare agency, the job center, the presidential palace, all those places
symbolize French public services and now privatized in part. It was produced by Yonki Tonk with France Télévisions, and this project is available to be embedded in by any media that want to shed a light on this subject. This way our work and its message will remain on the web public space. The project was put online in France in partnership with France TV Info and LeMonde.fr on December 17th for the third anniversary of the immolation of Mohamed Bouazizi, beginning the Tunisian Revolution and the Arab Spring. And all the French media talk about the subject after this broadcasting. Le Monde make a main feature on our story on the cover of the paper edition, and politicians and companies cannot say anymore that they didn't know this subject. A part of the taboo is that media and politics say that we don't have to talk about this subject because it will give the idea to other people to do it. But the project really show how this act is unheard by the society, and the consequences are too big, and the result is there is no good result. So it's not at all an apology. Not a good word. Interactivity for listening. So with the interactive navigation designed to serve the purpose of the author, we try to create an immersive storytelling experience by listening to the message of the immolated persons through the testimonies of their families or their colleagues or themselves. And on the opposite and parallel side, the political and mediatic official interpretation. So on the web, you can choose the story that you want to hear, and usually we heard a lot the mediatic part, but not the most confidential part of people. The sinusoidal shape of people's voice insists on the trace left on the public space, hoping that in this time their message will be heard. Some data about production and distribution and online distribution. So this project was 2 years of work. The development and production budget was €280,000, financing by Yonki Tonk, France Télévisions, with the support of CNC and the Fond Media. Even if it's a French subject, media considers that it was a European cause also. a main team of 10 people work on it during 2 years, 25 days of shooting in France, 3 months of video editing, 6 months instead of two of the player development and coding with two prototypes before. So it was a huge project for us, but we want to be convinced by the results, and for that we need several steps to make the production exactly as we want. So during the first 12 months, the project totalized 70,000 views for 500,000 page viewed, and with an average session duration of 10 minutes. Without the bounce rate. So it was a really good timing for us, because usually a project is between 3 to 7 minutes. And in September 2014, Burnout received the Golden Visa of Best Web Documentary at the French festival Visa pour l'Image. It's a festival of photography, and it was a big recognized for the work of photography made by Samuel on this subject, because it was
really important for him to respect the voice of the people, the testimony of the person. So it was an important collaboration between the character of the documentary and his work. So. Okay, that's it. Thank you very much, Sara. Time for questions. We have time for two quick questions to Sara about Honky Tonk productions. You know some of them. For example, the Big Issue, the Journey to the End of Coal, the Grand Incendio or Burnout, which is this one. Any question from the public? Yes, Emiliano, another time. Yeah. Remember that we pay you to ask, so it's perfect that you. Gracias por bueno, el interés del documental. Not very complicated, okay? Not very long. No. Muy breve y muy clara la pregunta. Sí. ¿Es rentable que la gente vea 10 minutos de documental para una televisión? If there's revenue for TV, it's clearly shown is as a people who watch online the documentary. It's another way of consuming the documentary. It's not about showing in broadcasting or mainstream. It's a different way. So for TV, how they get the money back from the immersion in France, for example? There is no money back after the production on web documentary, actually. But we, after the award on this project, a lot of people ask why we didn't make a linear documentary for TV, because it's a way to talk about a lot of people, more maybe than on internet. And France Télévisions says that the project wasn't enough optimistic and with no solution for the audience. So. And that explains what we are on the web. There is a liberty of creation. So we know that it's not the same economy than on TV. And we cannot reuse the project on several formats easily. But the liberty of purpose in this project could only be made on internet and not on TV. So we know that, and for the first time, this project was well financed because of support like CNC or Mediafond, and so it's another. It's not all the project like that, but sometimes it could happen that we have enough only for the production and without a distribution model after. It's quite a big budget. Almost 300,000 euros for a web doc. I mean, this in Spain is unthinkable. Well, for example, some projects has really reached this figure, but it's amazing. In France, it's a normal thing, I understand. And the other, maybe the other market is for Samuel Bolendorf. He's a photographer, so he made a book about the subject, and he also made an exhibition in several countries. So. This it's a kind of transmedia project that who could travel in different format, but the internet format is not it's not so easy to share in several countries, because each country has his own culture of on internet, and we know that it's not so easy. Okay, so thank you very much. Sara, thank you. And bye. See you around.